Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter la recette de la panna cotta au mojito. Donc, pour 4 personnes, il vous faudra 60 centilitres de crème liquide, 4 feuilles de gélatine, 20 millilitres de sirop menthe mojito. Un jus de citron et de la menthe en poudre. Donc, on va faire chauffer la crème liquide. Pendant ce temps que ça chauffe, on va mettre 3 feuilles de gélatine dans de l'eau très très froide. On va ajouter les 20 ml de sirop. On attend que la crème soit bien chaude. Voilà, une fois que la crème bout, on arrête la cuisson. On va y mettre une cuillère à soupe. J'ai oublié de le préciser dans les ingrédients de menthe. Et on va laisser infuser. On laisse infuser pendant une minute et après on mettra la gélatine. On va donc filtrer maintenant la préparation.
Et maintenant, on va y ajouter la gélatine. Donc on la presse bien pour pouvoir l'égoutter. On laisse donc refroidir 2 minutes pour pouvoir après les verser dans les verrines. On verse la préparation dans les verrines. On les réserve donc au frais pendant 4 heures. Ensuite, on fera la gelée au mojito pour mettre sur le dessus. On va donc passer à la gélatine pour mettre sur la panna cotta. Donc, pour ce faire, on va déjà mettre la feuille de gélatine dans l'eau très très froide. Il faudra donc 40 centilitres du sirop menthe mojito. Et donc le jus d'un citron. On va faire chauffer le jus du citron. Le sirop mojito. Et rajouter un petit peu de menthe. On va mettre à chauffer pendant 1 minute.
On va donc laisser légèrement refroidir la préparation pour pouvoir y incorporer ma gélatine. On ajoute donc la gélatine dans la préparation. Pour un peu plus de coloration, on va y ajouter une pointe de colorant vert. On va débarrasser donc dans un récipient pour que ça puisse refroidir correctement. Une fois la préparation froide, on mettra donc sur les verrines. On va y aller petit à petit pour mettre donc le coulis.
Voilà, je vous souhaite un bon appétit.